D'accord. Et à vous là-bas, c'est comment? This is perfect. Perfect. That's nice. Now we are speaking English. It's very nice. Yeah, very, very nice. Nice. C'est tout de la journée. Allez, speak English. Les gens font quoi en haut là-bas? What are they doing up there? Let us go. Ici, c'est bon. Ils finissent. On m'a dit qu'ils vont livrer ça aujourd'hui. Moi, fais un peu les travaux là. Viens, je vais mettre un esprit. Les travaux sont en train de faire. Voilà. Merci. Alors, tu as quoi? Regardez comment on passe le bois. Comment c'est ça? Non, sincèrement, il y a des gens qui ne savent pas faire le sport. Ah, vous travaillez quoi ici? Hein? La rosa, c'est pour où? Ah, c'est le cadre rosa. Bon, ça là, en fait, ça c'est le truc qu'ils ont mis. Ça, c'est pas le staff. Mmh. C'est les... On appelle ça. La plafonnette. C'est les faux plafonds, là. Ouais. Parlez des communes sur le bord. Alors, c'est de ça que je parlais. Ça pèse énormément, sincèrement. Ça pèse. C'est une plaque. Oui, ça pèse énormément. Plaque pèse. Hein? Plaque pèse. Non, non, ça pèse. Je pense que si ce n'était pas le cas, on aurait dit ça dans la salle. Après, il y a une façon d'accrocher son. Hein? Il y a une façon d'accrocher son. Ça dit quoi? Ça dit que ça dit. À moins que ça soit au touche pour que ça tombe. Parce que ça tombe au-dessus de ça pour que ça puisse tomber. Et ça ne tombe pas facilement. Parce que quand une charge dessus pour que ça puisse tomber. Il faut une charge dessus pour que ça tombe. Et ça ne peut pas tomber facilement. À cause de la filasse. Ah bon? Hein? Ouais. Ça va seulement se fissurer, mais ça va pas se passer. Ça, c'est bien. Ça, c'est les bureaux en construction et les appartements. Les appartements. Ici, là, l'électricité, il y a. Donc, les gens ont élu domicile ici. Hein? Pour partager l'héritage avant que je ne sois mort. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont mettre, quand ils vont finir de mettre le plafonnet là, tu finis l'électricité. C'est après ça qu'on a mis les carreaux, non? Les carreaux viennent en dernier ressort. Bon, en fait, il fallait qu'ils coupent la chape pour qu'ils prennent le niveau pour mettre le plafond. Quoi? Parce que là, c'est le carreleur qui va couper la chape ou quoi? Il coupe la chape des carreaux. Qui? Le carreleur. Oui. Pour qu'il prenne le niveau du plafond. Ah bon? Hein? Oui, en fait, c'est ce que l'ingénieur m'a expliqué. Quel ingénieur? L'ingénieur qui était d'abord celui qui a fait élever le plafond. Le niveau de plafond, le niveau de plafond, c'est par rapport à quoi? Pourquoi on n'a pas élevé jusqu'en haut? Le plafond, c'est pas celui de fermer là. Moi, il disait que c'est trop haut. Non, 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 c'est pas le fer. C'est les poteaux. Oui, les poteaux. Oui, les vont prendre la partie là. Ok, c'est parfait alors. Donc. Ah, c'est bon. Dès qu'ils finissent le bal, ils vont. Comme il est rapide, en une semaine, on va finir ici. Et je pense d'ici la fin du mois, si on aura mis les carreaux, on aura fini l'essentiel ici. Ça
solide, grâce à très solide. Moi qui ai quelqu'un qui peut savoir le bilan. Qui a... Hein? Tu n'es qui? On enlève tout ça. On enlève ça. Je ne veux plus voir. Qui a mis les affaires là? Hein? Hein? Quel frère? Hein? Venez m'arrêter. Enlevez. Venez, enlevez tout ça. Interdiction, je ne veux plus voir les gens ici. Parce qu'après ça sera une histoire d'iniquité. C'est ça en fait la réalité. C'est vrai, papa. Et dans l'église, c'est... les gens qui ne craignent pas Dieu. Venez m'enlever les choses là vite. Enlevez tout. Enlevez, entrez, prenez-moi tout ce qu'il y a là. Interdiction de voir encore une soeur ou un frère monter ici. Si tu, je te donne la responsabilité. Il est où? Tu as compris? Si tu vois une soeur monter ici, ou un frère, c'est qu'il rôde, supposons qu'il rôdait seulement, il cherchait Dieu, tu me dis. Venez me ramasser tout ça, ramasser ça, sortez avec. Ramasser, viens, ramasse. Ça fait là, sortez avec, oh, ici. Si quelqu'un veut dormir à l'église, qui dorme où on le voit. On n'interdit pas de dormir à l'église. Dormez où nos yeux vous voient. Je ne veux plus de ça. Ramassez-moi tout ça. Sortez avec. Allez, balancez ça. Là-bas. Vous faites quoi ici à vous? Hein? Vos affaires faites, font quoi ici à vous? On avait demandé qu'on enlève sur l'escalier, comme c'est l'autre. Alors, elle n'a pas exécuté, la voici. Va enlever vos affaires alors. Interdiction de voir encore, soit les frères ou les soeurs rôdés ici à vous. Allez prendre vos effets, vous descendez. Il y a les baraques. Je veux plus voir des choses là. Faites-le rapidement. Avant que je ne finisse mon direct, je vais remonter, réinspecter. Bon, mon âge. Je vais aller m'asseoir. C'est mieux que je m'asseye là pour mon direct. Chers téléspectateurs, bonne arrivée. On est en train de... Je libère les gens. Mon âge, vous venez alors, je vous libère. Venez, maman. Apporte-moi une chaise là-bas, pardon. Hein? Apporte-moi une chaise là-bas. Ça va, monsieur. Bon, je disais qu'il y a comme ça, comme là. Vous avez appelé là-bas déjà. Vous avez informé là-bas. Vous allez, si vous avez... Vous êtes en train de partir là. Comment on dirait, moi, on est en train de partir. Ok, d'accord. Ça va? Là, j'ai où? Tiens. Vous me faites le compte rangé alors. C'est ça? Hein? Non, tu vas me retrouver, je suis là. Pour qui? Ah, il a réapparu. Ça existe, non? Ça existe, puisque c'est l'eau que je bois moi-même. Donc, j'ai un peu avant de faire la procédure. Oui. C'est la dîme qu'il avait donnée à l'église. Maintenant, j'ai reçu une correspondance que maintenant le service des actionnaires demande maintenant qu'on doit avoir le certificat d'action. Ici, on a déjà la photocopie, je l'ai donné. Mais pour avoir le certificat d'action, ils ont des
de 0 à 55 francs. Après, il faut les frais de tout, c'est 12 500. Donc, là, tu es aussi actionnaire. Je suis. On t'a donné. On m'a donné l'argent. Tu as eu l'argent. Non, pas là. Pour qu'on ait l'argent, il faut d'abord faire le certificat d'action. Tous ceux qui ont les affaires à haut, montez, enlevez ça. Voilà. Rapidement. Voilà la fiche qu'on doit. D'accord, j'ai fini avec mes amis là. Bon, vous finissez aussi là-bas. Mais, oh, comme ça, est-ce que j'ai les écouteurs dans le sac? Ça va. Les écouteurs là, et ce moment là, écouteurs de montre là. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, bonjour, bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Est-ce que tout le monde m'écoute bien? Désolé, je tente de faire le tour du propriétaire. Que Dieu te bénisse. Père, merci pour ta grâce. Merci pour l'occasion solennelle que tu m'accordes encore de partager avec mes bien-aimés. Nous allons parler des choses sérieuses qui bâtissent l'âme et préparent l'âme à la vie éternelle. Que ton nom soit glorifié au nom souverain de Jésus. Amen. Voilà, prenez ma chaise. On va descendre. Oh, donnez-moi une chaise simple. Il y a les bruits ici. Donc voilà, bien-aimés, nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Donc lorsque je vois les gens qui sont en train de se moquer de Dieu, Somme 14, verset 1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mon ami, un jour tu apprendras aux dépens de ta propre vie que Dieu est réel, que tu as besoin de Dieu. J'ai souvent raconté l'histoire, une histoire que j'ai vécue lorsque j'étais en Ngaoundéré. Alors, j'étais vraiment déçu par le comportement. Déçu. Et j'avais pris la décision et la résolution de ne plus jamais aller à l'église. J'avais pris la résolution de ne plus jamais aller à l'église. J'ai décidé de ne plus aller à l'église à cause des problèmes que les frères me causaient. J'ai dit non, je ne vais pas aller à l'église. Et donc ce dimanche-là, je ne suis plus, je suis pas allé à l'église. Et j'espère. Ça, c'est mauvais. Rapprochez la chaise et le Wi-Fi. Je me suis très éloigné du Wi-Fi, donc la connexion a été coupée. Est-ce que tout le monde me suit, s'il vous plaît? Merci, là, c'est bon. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'en fait, la nuit, pendant que je dors, j'ai une vision. Et dans la vision, il y a un ange. Il y a deux anges de Jésus-Christ qui m'apparaissent. Je prie que Dieu te donne la grâce de voir des anges dans ton rêve cette nuit. Que Dieu te donne des apparitions angéliques. Mes amis, c'est une expérience sans pareil. C'est des expériences extraordinaires. Garita Oudal, Ifalus, Men, Anita Oudal, Saben. Lorsque les anges, tu peux voir les anges. Mes amis, il y a encore les hommes qui voient les anges aujourd'hui, les apparitions des anges ne sont pas seulement un phénomène biblique. C'est une réalité. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Il y a un certain nombre de choses que quand vous les faites, il y a un certain nombre d'expériences que lorsque vous le faites, c'est un sacrifice, surtout avec Dieu. Quand tu fais ce genre de sacrifice, Dieu peut t'amener dans son intimité au point de marcher et de travailler avec les anges du Seigneur. Donc deux anges me sont apparus. J'étais à Ngaoundéré à l'époque. Et l'un d'eux m'a posé la question de savoir. Et il m'appelait par mon nom. Ferdinand, pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Seigneur, te rends grâce de ce que tu me connais. Tu m'appelles par mon nom. Seigneur, ma joie est grande de le savoir. Mes amis, il y a les gens qui marchent encore avec Dieu aujourd'hui. Laissons de côté les anéries que les gens font. Et puis les disputes, les discussions inutiles qu'on fait là. Appelez Armand pour savoir si mes écouteurs sont dans la voiture. Donc, mais Dieu est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, un des deux anges
s'est retourné vers moi et m'a demandé, Ferdinand, pourquoi tu n'es pas allé à l'église aujourd'hui? Et je n'étais pas, j'avais décidé de ne plus aller à l'église et retourner même dans l'islam à cause de ce que j'étais malade et mes frères me persécutaient, on m'insultait, on m'ospiait, on me saboulait, on disait du mal de moi. Donc j'ai décidé que non, je ne vais pas aller à l'église. Si c'est ça le christianisme, ça ne vaut pas la peine. Et donc dans cette vision, l'ange m'apparaît et il me demande pourquoi tu n'es pas allé à l'église. Et je veux répondre. Je lui dis parce que l'église est éloignée. Et il me dira non, ce n'est pas vrai. Dis-moi la vérité, pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Et donc, je vais lui dire la vérité. Et je vais lui expliquer que, en fait, j'étais malade. Et où mes frères devraient être un soutien pour moi, au contraire, ils m'ont blessé, ils m'ont insulté, ils se sont moqués de moi, ils m'ont abandonné disant que ce sont mes péchés qui m'ont rendu malade. Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas allé à l'église. Et l'ange du Seigneur m'a dit, ce que tu dis est vrai. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne dois pas aller à l'église. Et je vais dire la même chose à quelqu'un. N'arrête pas d'aller à l'église à cause de quelqu'un, à cause de persécution, à cause de tel frère ou telle sœur. Non, telle personne a dit du mal de moi, telle personne a fait ceci. Les actions des gens ne doivent pas t'empêcher d'aller à l'église. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé pour être chassé par un homme. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ta foi doit être basée sur Jésus. Et l'ange de Dieu me dira, ce que tu dis est vrai. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne dois pas aller à l'église. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est Jésus-Christ. Et il m'a dit, il y a des choses que tu dois accomplir pour Jésus. Donc reste. Et avant de retourner sur Ngaoundal, va voir tel frère. Et il te dira toutes les paroles que je lui ai mises à cœur pour toi. Mes amis, nous ne servons pas un Dieu mort. On ne sait pas un Dieu mort. J'ai l'habitude de dire que moi, je ne suis pas chrétien ou prédicateur par imitation. Non, mes amis, par conviction. À cause des apparitions de Christ que j'ai eues et que je continue d'avoir aujourd'hui, c'est ça qui fait de moi l'homme que je suis. C'est ça ma force en réalité. Dieu, quand la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire que les choses que nous lisons dans la Bible, on peut les vivre aujourd'hui. On peut les vivre. Nous sommes dans le mois où Dieu brise les barrières spirituelles et invisibles qui nous empêchent d'accomplir notre destinée. Le rôle d'un chrétien, c'est quoi? Le but même du christianisme, c'est quoi? On va parler de l'histoire de ces jeunes filles qui sont venues pour m'empoisonner. Bon, chacun se bat hein, à sa manière. Chacun sait ce qu'il cherche dans l'église. Et ces choses se passent dans l'église, dans la maison de Dieu. Sur cela, il faut faire attention. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, sortant de l'islam, je me disais que l'église, c'est le paradis. Mais très tôt, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'était pas ça. Je me suis rendu compte que tu peux échapper à la mort étant dans le monde, mais tu viens mourir dans l'église. Tu peux venir mourir dans l'église. Lorsque je découvre qu'il y a la sorcellerie dans l'église, c'était en 1996. En 1996, le président de la jeunesse de mon assemblée locale confesse qu'il est sorcier. Quoi? Il confesse qu'il est sorcier. Francis nous déclare qu'il est sorcier. Il parle en langue. C'était le prophète même de notre église. Mais il va témoigner qu'il est un sorcier. Vous mettez à ma place. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Mes amis, j'étais déboussolé. La nuit, écoutez bien. La nuit, j'ai fait ma valise. La nuit, j'ai fait ma valise pour fuir. C'est-à-dire qu'avant de dormir, j'ai fait ma valise. J'attendais quand tout le monde va dormir parce que j'habitais dans un camp spirituel. Le camp spirituel à l'époque, c'était une église. C'est-à-dire autour de l'église, on a construit des maisons et plusieurs familles habitaient ensemble. Et on venait, on mangeait ensemble, on se réunissait, on faisait les prières ensemble et on mangeait ensemble. C'était un peu ce qu'on appelait la vie communautaire. Parce qu'on voulait vivre comme à l'époque de l'église primitive. C'est comme ça que nous, on a grandi à la vraie église de Dieu. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je fais mon sac. Après que le président de la jeunesse, le prophète de l'église et mon pasteur avaient même prophétisé sur lui, que mon serviteur, quand je t'ai dit de parler en mon nom, pourquoi tu doutes? Quand je t'ai dit parle, parle. C'est ton Dieu qui te parle. Parle. Pourquoi tu as peur de prophétiser? Et donc, lorsque le gars vient confesser qu'il est sorcier, mais moi, ça me déboussole. Hein, ça me déboussole. J'avais environ 2 ans de foi seulement. Je venais, j'étais un nouveau converti. Donc, ça m'a déboussolé. J'ai dit, attendez. Si lui, il est sorcier, et même mon papa spirituel prophétise sur le sorcier,
disant que Dieu lui dit de prophétiser, que le sorcier doit prophétiser, qu'il ne doit pas douter. Mes amis, mettez-vous à ma place. Ça m'a déboussolé. Je me suis senti secoué sérieusement. Donc j'ai dit que donc, ça dit que je ne suis pas en sécurité. Premièrement, le président de la jeunesse est un sorcier. Mon prophète, notre prophète, est un sorcier. C'était notre modèle, en fait. Nous tous jeunes, nous voulions être comme Francis. Et de surcroît, mon père spirituel en qui je fais confiance, lui-même est aveugle. Il ne voit pas que c'est un sorcier. Ça a bougé l'assemblée. Donc j'ai dit non, je ne peux pas demeurer dans l'église ici. Je veux fuir. Donc j'ai fait mes affaires. Alors j'ai dormi. Quand je me couche, j'ai une vision. Dans la vision, le Seigneur Jésus m'apparaît. Et me demande, Ferdinand, tu pars où? Je lui ai dit que tu n'es pas au courant. C'est mauvais. Tu n'as pas appris ce qui s'est passé dans l'église ici. Le président de la jeunesse, le prophète de l'église, celui qui est mon modèle, nous tous les jeunes, on priait, Seigneur, je veux être loin comme Christian, comme Francis. C'était le plus zélé de l'église. Le gars était le plus loin quand il parlait en langue. Lorsque le gars prophétisait, c'est vrai qu'il m'a donné une prophétie un jour qui m'a bouleversé, j'ai failli rétrograder. Parce que l'esprit de divination n'est pas l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit du témoignage. Mais l'esprit de la divination ne bâtit pas, il détruit. Un jour, je suis en train de pleurer. Nous sommes en train de prier ensemble avec Francis, notre prophète. On prie. Mes amis, j'ai dit une chose. Beaucoup d'églises sont dirigées par l'esprit de la divination. Si en tant que visionnaire de votre ministère, vous n'avez pas l'esprit, le don de discernement des esprits, ça c'est un don fondamental que tout dirigeant doit avoir. L'esprit de discernement des esprits. Hein? Le don de discernement des esprits. C'est un don extraordinaire. C'est un don. Lorsque vous avez le don de discernement des esprits, la Bible dit de Jésus quoi? Et il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage de l'homme, car lui-même savait ce qui était dans l'homme. Ça, c'est l'esprit, le don de discernement des esprits. Ça te permet de voir quelqu'un, tu le connais. Ça dit, tu vois quelqu'un, tu connais son identité spirituelle. Parfois, tu peux connaître même la pensée secrète du cœur de la personne. Donc, imaginez-vous, je suis un jeune converti, j'ai 2 ans de foi, 1996. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus en 94. 1996, nous sommes en train de prier avec le prophète de l'église. Vous imaginez, votre prophète, la référence de la jeunesse, le président de la jeunesse, l'homme le plus zélé de l'église. Maintenant, il prophétise sur moi. On est en train de pleurer. Je pleure, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je veux mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Seigneur, imprime en moi ton image. Et il me dit, ainsi parle l'Éternel. Je pleurais. Et le prophète parle, ainsi parle l'Éternel à Ferdinand. Ferdinand, hypocrite, avec tes larmes de crocodile et ta langue pendante comme celle du pangolin. C'est-à-dire que Dieu m'a insulté. Dieu m'insulte, mes amis. Dieu m'a tenu des propos injurieux par le prophète. Hein? Avec ta langue même d'abord qui est comme pour le pangolin là. Tu penses que je ne te connais pas, tu veux pleurer, oh, je veux la sainteté. Quelle sainteté? À moi, j'ai dit, elle me dit, à mouf midi, qui l'a? Chouin. Mes amis, on a vécu les choses. On a vécu. C'est pour ça que certaines personnes demandent souvent que, à votre âge là, autant de vécu là, qu'est-ce qui s'est passé? Non! Dieu m'a insulté. Dieu me dit que j'ai la langue du pangolin. À qui la chouin? Il y avait tes pleurs hypocrites même d'abord. Tu veux dire que oh, je veux la sainteté. Oh, je veux te servir. Tu crois que je ne te connais pas? À mouvement. C'est-à-dire, j'ai encore failli abandonner la foi le jour-là. J'ai dit qu'il m'attend. Comment Dieu me suit? Dieu connaît, Dieu ne connaît plus mon cœur. Donc j'ouvre mon cœur à Dieu. Je suis sincère. Vraiment, je suis consacré, engagé. Dieu vient me dire que je suis hypocrite. Et en plus que ma langue est comme pour le pangolin, tu langues pour regarder si ta langue est vraiment comme celle du pangolin. Donc, ça m'a secoué. Je me suis dit, attends, si Dieu ne peut plus connaître mon cœur, c'est-à-dire que je suis en danger. C'est mauvais sur moi. C'est-à-dire que je suis cuit. Donc, bien aimé, c'est ce prophète qui va confesser qu'il est sorcier. Qu'est-ce que je veux dire? Et j'ai appris à mes propres dépens que l'église n'est pas le paradis. Et que là où les hommes sont associés, il n'y a pas de perfection. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite.
il y a les sorciers partout. Et c'est où Dieu va ouvrir mon esprit pour me faire comprendre que même le diable assiste au conseil de Dieu. Lorsque Dieu convoque ses fils, Satan est parmi les anges. Satan est parmi les anges. Et donc ce n'est pas à l'église qu'on va pas trouver ce genre de choses. C'est après ces choses-là que le processus de maturation atteint son accomplissement dans ma vie. Donc, l'histoire-ci est une histoire réelle. C'est des choses que j'ai vécues, des choses qui m'ont bâti, des choses qui ont solidifié ma fondation spirituelle devant Dieu, des choses qui ont fait de moi le guerrier que je suis aujourd'hui. Mes amis, la sorcellerie est une réalité. Nombre 23-23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la sorcellerie contre Israël au temps convenable. Il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Revenons maintenant dans le vif du sujet. Et j'ai expliqué que la campagne, le culte des familles qui devrait se tenir au palais de congrès se tiendra ici même à l'église à la Bille. Parce que le palais de congrès est indisponible, nous nous retrouverons ici. Ah, mes amis, personne ne m'envoie les cœurs ni les pouces blessés. Comment avez-vous? Comment la maison s'est silencieuse aujourd'hui comme ça? Nawati, non? My friend, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Aucun cœur. Pardon, envoyons les cœurs, envoyons les cœurs, les pouces bleus, s'il vous plaît. Je vois le premier, qui sera le premier à envoyer les cœurs, les pouces bleus. C'est comment tout le monde est calme aujourd'hui comme ça. Envoyons les cœurs et les pouces bleus, s'il vous plaît. Je ne vois pas encore les cœurs. Tu es en direct là-bas, tu es sur ma page. Il y a les cœurs. Hein? Mes frères, envoyons les cœurs, non? C'est comment? Comment vous êtes ici ce matin comme ça? Ou vous êtes trop concentrés? Pardon, envoyons les cœurs. Pardon, envoie les cœurs. Envoie les cœurs. Et les pouces bleus. Donc, l'histoire-ci que je veux raconter, c'est une histoire un peu compliquée. Parce qu'on a retrouvé les trois filles-là. Elles ont été retrouvées. Tout mal que tu fais, sache que tu payeras le prix tôt ou tard. À moins que tu ne te repentes et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Ah, voilà les cœurs. Maintenant, je retrouve mes gens. Envoyons les cœurs, les pouces bleus. Donc, vous voyez, bien-aimés, l'histoire que je vais vous raconter, c'est Dieu m'a sauvé. Moi, je serai un homme mort. Voilà pourquoi je dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu va te préserver. Dieu va t'épargner. Dieu va combattre tes combats. Lorsque tu marches avec Dieu de manière innocente, de façon innocente et sincère et vraie, je bénis Dieu. Hein? La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sonde les cœurs et les reins. Quand ton cœur, moi j'ai dit une chose dimanche, mes amis, lorsqu'on te combat, fais tout pour être innocent. Ne rends jamais le mal pour le mal. Fais du bien. Même si tu sais qu'une personne, on te dit que la personne-là va te faire du mal, vous allez voir que tous ceux qui ont rendu le mal pour le bien qui leur a été fait, leur fin n'a jamais été bonne. Allez voir l'histoire de Thomas Sankara. Lorsqu'on a dit à Sankara que son frère et ami voulait lui faire du mal, il a dit quoi? Si c'est lui laissé, quelle est la fin de Compaoré? Nous connaissons. Quelle a été sa fin? Tous ceux qui ont rendu le mal pour le bien qui leur a été fait, la colère de Dieu est sur eux. Donc, dans tes combats, sois innocent. Ne sois pas méchant, ne sois pas trouvé méchant devant Dieu. Que ton cœur soit innocent dans toutes les accusations, dans toutes les conspirations. À la fin, tes ennemis vont se brûler les mains. Dieu va les confondre. Ça, c'est une réalité. Dieu va finir par les confondre. La Bible dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Rassure-toi d'être pur. Quand quelqu'un te hait, ne hait pas la personne. Quelqu'un te jalouse, ne jalouse pas la personne. La finalité, tu auras la victoire. Ça, c'est mon secret. That is my secret. Donc, l'histoire commence comment? L'histoire de l'empoisonnement, ça va commencer comment? Je reçois, il y a trois jeunes femmes qui arrivent d'abord à l'église. Elles sont trois. Dans nos églises, il y a les agents de Satan. Et j'ai dit aux hommes de Dieu, méfiez-vous. Et à tous mes fils, méfiez-vous. Méfiez-vous. Les agents de Satan sont multipliés dans nos églises aujourd'hui. Et pour nous les hommes, c'est les femmes. Et pour les femmes, les servantes de Dieu, c'est les hommes. Soyez très prudents. Sois très très prudent dans ton ministère. Sois attentif. Sois prudent. Alors, je reçois trois jeunes filles.
à l'église. Elles viennent à Réma, dans notre ministère. Elles arrivent et la première marque des agents de Satan, c'est l'extrême zèle. Ils sont toujours très zélés. Ils aiment se faire voir. Ils aiment montrer qu'ils sont plus importants que tout le monde. En fait, ils aiment attirer l'attention sur eux. Ils aiment être le pôle de l'attention dans l'église. Ça, c'est l'une des premières caractéristiques des agents de Satan envoyés en mission contre les hommes de Dieu dans les ministères. Attirer l'attention de tout le monde et surtout l'attention de l'homme de Dieu. Ils veulent toujours les postes de responsabilité et surtout les postes qui les rapprocheront du visionnaire, de l'homme de Dieu. Ça, c'est les caractéristiques des agents de Satan. Quand ils arrivent dans l'église, ils veulent attirer l'attention sur eux, ils veulent être plus importants, ils veulent gravir les échelles plus que tout le monde, ils ne veulent pas respecter les échelons et le temps qui va avec. Ils veulent rapidement se rapprocher du leader, se montrer très important, montrer que la vie du leader dépend d'eux, etc., etc. Ça, c'est la remarque que j'ai faite avec les agents de Satan. Donc, les trois filles vont arriver, elles vont commencer à se démarquer. Elles attirent l'attention, mon attention, toutes les réunions, elles sont là. Et en plus, elles veulent être toujours au premier banc. Je ne dis pas que s'asseoir au premier banc fait de vous un agent de Satan. Non. Il y a des gens qui s'asseyent au premier banc pour rien. Il y a des gens qui s'asseyent pour rien. Elles n'ont aucune mauvaise intention. Je parle des agents de Satan. Donc, cette fille venait d'arriver. À peine, elles avaient une semaine que toute l'église les connaissait déjà. Elles étaient toujours assises devant. Envoie les cœurs, s'il vous plaît, les pouces bleus aussi. Envoie les cœurs. Donc, elles s'asseyent toujours devant. Donc, en moins d'une semaine, tout le monde les connaissait. Moi-même, je les connaissais. Et en ce qui concerne maintenant les réceptions, toutes les réceptions, elles étaient là, avant tout le monde. J'ai reçu chacune d'elles, dans mon bureau à l'époque. J'ai reçu chacune, dans mon bureau. Quand on parle de la sorcellerie dans l'église, je vous ai dit que l'endroit où la sorcellerie est le plus pratiquée, c'est à l'église. Quand tu viens à l'église, tu t'assois, tu ne comprends pas qui est ton voisin en réalité. Viens chercher Dieu. Chacun sait ce qu'il vient chercher à l'église. Donc, j'ai reçu chacune d'elles, à tour de rôle. Je dis la vérité devant Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Je ne mens point et ma conscience m'en rend témoignage. Les trois, chacune d'elles dans mon bureau, m'a parlé des rêves qu'elle a eus. Et l'une des caractéristiques des agents de Satan aussi, c'est les visions. C'est toujours des gens qui te diront, Dieu m'a dit que Dieu m'a parlé. À moi, Dieu me parle. Hein? Dieu m'est apparu, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Ils ont toujours des révélations sur le leader plus que tout le monde. C'est toujours des prophètes, des pseudo-prophètes. Ils voient toujours les choses. Ils viennent toujours avertir le leader. Méfiez-toi de telles choses. Méfiez-vous de telles choses. Attention à telle sœur. Attention à telle personne. Telle personne est sorcière. Telle personne est sorcière. Ça, c'est les choses que j'ai remarquées sur les agents de Satan dans nos églises. Ça, c'est mon expérience personnelle. Donc, elles ont commencé avec les visions. Et leur vision était quel genre de vision? La première, je l'ai reçue dans mon bureau. Elle m'a dit, prophète, je dormais, j'ai une vision. Vraiment, je vous avertis, hein, moi, où je suis là, j'ai dit pour rien au monde, je ne vais épouser un homme de Dieu. Je ne peux pas épouser un homme de Dieu, jamais. Moi, un homme de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait quoi à Dieu? Jamais. Mais je suis la servante du Seigneur. Alors, elle dit qu'elle rêvait dans une vision qu'elle a faite. Elle m'a vu avec elle dans une chambre. Et elle ne se souvient plus bien des détails, mais ce qu'elle sait, elle m'a vu sur elle et nous étions en train de faire l'amour. Et elle finit de me raconter, elle me dit, vraiment, moi je ne sais pas, hein, je sais vraiment, moi je combats même ce genre de songes, je ne sais pas ce qui m'arrive. Au nom de Jésus, je me couvre dans le sang de Jésus. Je ne peux pas épouser un homme de Dieu. Non, moi, pour rien au monde. Mais comme Dieu insiste, qui suis-je pour résister? J'ai dit à Dieu quand je me suis réveillé, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Toi-même, tu sais que moi, je ne convois pas ton serviteur. Moi, je n'ai pas d'intention malveillante sur ton serviteur. Moi, je ne peux même pas accepter d'épouser un homme de Dieu. Que j'ai fait quoi à qui? Que mon grand-père a commis quel péché pour que moi, j'épouse un pasteur, Seigneur? Pourquoi j'épouse un prophète? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me vois des choses comme ça? Dieu, tu sais que dans mon cœur, tu veux sonder mon cœur. Mais maintenant, tu envoies la sonde dans mon cœur. Tu vas trouver que je n'aime pas voir les hommes de Dieu. Mais Seigneur, comme c'est toi, je ne peux pas dire non. Parce que tu es mon Seigneur. Tu sais que moi-même, les chefs désobéissants, là, je ne suis pas dedans. Moi, je n'aime pas la désobéissance. Donc Seigneur, comme c'est toi qui as dit,
je me soumets, mais tu sais que moi, je n'aime pas, là, Seigneur. Mais c'est à cause de toi que j'accepte. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, les pouces bleus, je vous en prie. Ah, le son, d'accord. Envoyez les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Ah non, Seigneur, moi, je ne veux pas. Mais comme tu as insisté, Seigneur, j'accepte, je me soumets à ta volonté. Et elle me demande, papa, qu'est-ce que ça veut dire un tel rêve? Je lui ai répondu dans mon bureau qu'en fait, le rêve là, ça dit qu'un, tu es possédé, de deux, tu me convoites et que tu as besoin de délivrance. Elle m'a dit, hey, qui est? Comment pouvait-être Dieu envers moi comme ça? Et je lui ai parlé sévèrement. Elle est sortie de mon bureau, elle est partie. S'il vous plaît, envoyez les cœurs et les pouces bleus, je vous en supplie. Essayez de me supplier pour ça. C'est ton devoir, pardon, fais-le alors. Pardon, je supplie alors, ça va. Que Dieu te bénisse. Donc, elle est partie de mon bureau. La deuxième est venue. Lorsque la deuxième arrive, elle dit qu'elle veut me voir avec insistance. Je la reçois aussi dans mon bureau. Elle me dit qu'elle a eu une vision dans laquelle elle m'aidait, elle m'assistait. Dans tous mes voyages, elle était là, elle était avec moi partout où j'allais. Et puis, elle se rendait compte que sans elle, ma vie n'avait pas de sens. Et à un certain moment, elle a eu une autre vision où elle était en robe blanche et moi j'étais en costume noir. On était un peu comme si c'était dans une mairie. Et avec quelqu'un devant nous comme un mère, c'est comme si je célébrais un mariage. Elle ne comprend pas la vision, elle me demande, papa, qu'est-ce que ça veut dire? Et la troisième m'a aussi dit la même chose. Donc en fait, lorsque les jeunes dames entraient dans mon bureau, en fait, c'était un langage sans vergogne. Je ne peux pas répéter exactement ce qu'elles me disaient parce que ce n'est pas bien séant. Donc tu sens qu'on te parle avec un langage nu, un langage dévergogneux. Un langage qui t'excite. Un langage pour exciter en toi tes papilles gustatives sexuelles. Un langage pour réveiller en toi les mauvais sens. Un langage pour t'amener à sauter sur la fille. Et l'autre même disait qu'elle sent qu'elle a une attaque au niveau de ses seins. Elle a besoin de délivrance. Et que Dieu lui a dit en vision qu'il n'y a que moi pour la délivrer. Parce que ses seins sont possédés. Et que le Seigneur lui a dit que je devrais imposer les mains sur ses seins pour sa délivrance. Et que sa délivrance dépendait de ma vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, je bénis Dieu qui m'a accordé le discernement pour comprendre qu'en fait, c'était Satan qui était à l'œuvre pour essayer de détruire mon ministère. Jeunes hommes de Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Le fait que les jeunes femmes, de belles filles, courent après vous, ne veut pas dire que vous êtes beau, hein? Ça ne veut pas dire que vous êtes un beau gars, un chaud gars. Parce que la preuve est que quand tu étais païen, est-ce que les filles te couraient après comme ça? Toi aussi, bête comme tu es, tu n'imagines même pas un seul instant que c'est ton notion que le diable veut finir et tu te laisses aller. Il faut être prudent, mes amis. Il faut être prudent. Et le diable enverra toujours le genre de femme que tu aimes. Hein? Le goût, ton goût. Ton bon goût. Le diable enverra le genre d'homme que tu aimes, ton goût. Mais tu vas te dire que non, je suis une belle femme, tu es belle ou? C'est pas bon, peut-être tu es belle, il n'y a pas de problème. Mais tu dois comprendre que cette affaire-là, le plus souvent, c'est que le diable veut détruire ton onction. Il veut te faire tomber. C'est tout. Et il faut comprendre ça, il faut être sage. Donc, j'ai dit non à ces jeunes filles. Et elles sont parties. Quelques temps après, j'ai commencé à recevoir des messages de menaces de mort dans mon téléphone. Le premier message, c'était prophète Ekané. Nous sommes des agents de Satan envoyés dans ton ministère pour te renverser. Tu penses que tu peux nous échapper? Tu ne nous échapperas pas. Le diable nous a préparés en enfer et nous a mandatés dans ton église. Et nous allons achever notre mission. Tu vas tomber. On te renversera. Coûte que vaille. Cache. Et j'ai lu le message à l'église. Je l'ai lu en pleine église. Et j'ai reçu un deuxième message d'un numéro que je ne connaissais pas. L'âme, ce n'était plus prophète Ekané, c'était monsieur Ekané. Nous sommes dans ton église et Satan nous a mandaté de te faire tomber et de faire tomber ton ministère. Tu penses que tu es plus fort que quel pasteur au Cameroun? On a déjà renversé plusieurs. Ton tour est arrivé et nous n'allons pas te laisser tant que nous n'aurons pas accompli la mission pour laquelle nous avons été mandatés par notre Dieu, qui est le diable, Satan. J'ai encore lu ce message en plein culte. Et ce jour, j'ai dit à l'église, Dieu me révélera qui a écrit ce message. Vous pensez que je ne suis pas un prophète? On verra. Nous allons mettre ça en prière. Je suis allé en prière pour ce sujet.
Et quelque chose va se passer. À l'époque, à l'église, par an, nous organisions ce qu'on appelait la célébration des pasteurs, la fête des pasteurs. Toutes les familles de l'église venaient avec des cadeaux. Toutes les familles venaient avec de l'eau, de la nourriture, des offrandes en espèces pour célébrer la grâce de Dieu dans ma vie et dans la vie de tous les pasteurs de Réma. Et après cette fête, on partageait aux pasteurs, à tout le monde, chacun de nous, et recevait quand même un don de l'église. L'église nous célébrait comme étant le don de Dieu pour elle. Donc on faisait la fête des pasteurs. Et les gens venaient avec la nourriture, de l'eau, des jus, des boissons en canette, pas des boissons alcoolisées en tout cas. Et beaucoup d'autres présents, le plantain, le maïs et tout ça, nous avions vu ça dans nos églises d'avant. Et donc j'avais aussi instauré cela à Réma. Et c'était bien. Jusqu'à ce que les agents de Satan viennent nous gâter, hein, notre fête. Alors, j'ai reçu en don pour moi, parmi les cadeaux qu'on m'avait donnés à cette époque, j'ai reçu de l'eau, des palettes d'eau, des palettes d'eau. Et généralement, quand je recevais les palettes d'eau, on les amenait à la maison. On retournait avec ces palettes à la maison. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter ce matin, que Dieu dévoile tout sorcier, toute personne dans ta vie qui ne t'aime pas, qui n'est pas avec toi, qui te cherche du mal parmi tes amis, que Dieu les expose. Je te dis la vérité. Comme je prie là, Dieu les expose au nom souverain de Jésus. Dans 24 heures, Dieu expose tout sorcier dans ta vie, parmi tes amis, dans ta famille, parmi tes collègues, dans ton village, au nom de Jésus de Nazareth. La main de Dieu expose, mon père, expose les sorciers dans leur vie maintenant. Expose les œuvres du diable. La Bible dit le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Toute personne dans ta vie qui en secret fait des œuvres sataniques contre toi, prends tes cheveux, prends tes sous-vêtements, prends tes serviettes hygiéniques, viens, prends tes cheveux, prends tes photos pour aller pratiquer la sorcellerie sur toi. Que Dieu expose cette personne. Que mon Dieu expose cette personne. Que mon Dieu expose cette personne au nom précieux de Jésus. J'entends Dieu me parler. Écoutez mes amis, je parle comme un prophète. Dieu est en train d'exposer tes ennemis. Cette semaine ne finira pas que cette parole ne soit accomplie dans ta vie, dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Alors, parmi les palettes d'eau, le monde est méchant mes amis. Le monde c'est méchant. C'est pour ça que quand je suis invité quelque part, je fais attention. Soyez prudents. Soyez très prudent. Surtout lorsque Dieu commence à vous élever, soyez prudent. Quand je pars quelque part, je vais avec mon eau, je vais avec mon micro. Vraiment, il faut que j'ai vraiment une confiance aveugle en un homme de Dieu pour utiliser les micros où on m'invite. Ça ne devrait pas être comme ça dans l'église. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que mes amis, on a échappé plusieurs fois. On a échappé à la mort plusieurs fois. Si Jésus n'était pas mon Jésus, je ne serais pas vivant. Vous ne m'écoutiez pas aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ne m'auriez pas découvert. Mais Dieu nous a sauvés. Parce que nos cœurs sont innocents. Parce que nos cœurs sont vrais envers Dieu. Quelqu'un peut douter de tout de moi, mais pas de mon amour pour Christ. Pas de ma sincérité dans le ministère. Ça, c'est la réalité. Donc, parmi les palettes d'eau qui m'ont été offertes, ce sont mes fils qui découvrent. Regardez, vous voyez, par exemple, vous voyez une bouteille d'eau comme ça. Elle était fermée, complètement fermée. Des palettes, c'est-à-dire que quand tu passais de l'eau, quand tu ouvrais là, quand c'est déjà décelé, tu sais qu'on a décelé. Mais les bouteilles n'étaient pas décelées, les bouteilles étaient scellées. Mais mes fils ont découvert qu'on a percé la bouteille, beaucoup de bouteilles, avec des seringues. On a injecté le poison dans les bouteilles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque je laisse une bouteille d'eau dans ma voiture, je ne la bois plus. Non, je ne la bois pas. Ce n'est pas que Dieu ne veille pas sur moi, mes amis. Même Jésus a demandé d'être prudent. Ce n'est pas parce que Dieu veille sur toi que tu dois être imprudent. Il a dit quoi? Soyez prudent. Soyez simple comme des colombes et prudent comme des serpents. J'ai dit aujourd'hui, je vous dis, je ne sais pas s'il faut même dire ces choses-là, mais je pense que c'est important d'en parler, que les gens comprennent. Mes amis, j'ai été empoisonné au moins 5 à 6 fois. 5 à 6 empoisonnements. Dieu m'a aidé. Il y a un seul qui m'a pris. Un seul qui m'a pris. Je vais revenir sur ça. Un seul m'a pris. Le reste là, Dieu m'a sauvé. Et j'ai failli mourir.
empoisonné 5 ou 6 fois. Donc, c'est mes fils qui vont découvrir que la bouteille d'eau, ça va les seringues qu'on a percées pour injecter le poison dedans. Ça fait qu'aujourd'hui, quand je prends une bouteille d'eau, j'appuie ça fortement. On dit que quand le serpent te mord, quand tu vois même une feuille verte, tu fuis. Et c'est la vérité. Quand j'oublie une bouteille d'eau dans ma voiture, je ne bois plus de cette eau, je ne la consomme plus. Non, non, je ne consomme plus de cette eau. Je suis méfiant. Méfiant. Et je ne dis pas que ce sont les païens qui ont cherché à m'empoisonner. Parmi toutes les expériences d'empoisonnement que j'ai eues, il y a eu un seul païen qui m'a empoisonné. Le reste, ce sont les chrétiens. Le reste, ce sont les serviteurs de Dieu. Voilà la triste vérité. Et c'est dans l'église de Jésus. Comment en sommes-nous arrivés là, mes amis? Qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce qui se passe avec l'église de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme si le monde se déversait dans la maison de Dieu. Les inconvertis nous retrouvaient dans l'église. Tu empoisonnes ton frère, pourquoi? Il t'a fait quoi? Juste parce que tu réussis un peu dans le ministère. Et c'est ce que nous faisons là, même sur le succès. Le vrai réveil est en train de venir, en fait. Donc, c'est où on découvre que presque toutes les palettes suintaient. Quand tu appuyais fort, l'eau sortait. Des trous laissés par les seringues. Et là, j'ai dit à Dieu, trop c'est trop. Et j'ai demandé à Dieu. Et les 3 filles étaient à l'église. J'ai demandé à Dieu en prière. Qui fait ces choses? Dieu m'a dit que les voilà. Et après, je reçois un autre message où il disait que comme on t'a raté spirituellement, maintenant on va finir avec toi même physiquement. C'est-à-dire la guerre n'était plus spirituelle, elle était transportée du monde spirituel au monde physique. Maintenant, il fallait l'empoisonnement. Et j'ai donc dit le dimanche à l'église, non, c'était un vendredi, j'ai pris le micro, j'ai dit que Dieu m'a révélé les personnes qui m'ont envoyé les messages anonymes et qui ont essayé de m'empoisonner. J'ai monté le palais là à l'église. Et j'ai dit à l'église, en plein culte, Dieu m'a révélé que ces 3 personnes et ces 3 femmes, et pendant que je parle, elles sont ici à l'église. Je leur donne jusqu'à dimanche. Si dimanche, elles-mêmes ne se lèvent pas pour confesser, je vais les pointer du doigt en public dimanche. Lorsque dimanche est arrivé, ces 3 sœurs ne sont plus venues. Le dimanche qui est venu, les 3 filles ne sont plus venues à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, elles ont disparu. Mais quelque chose va se passer. Elles sont allées dans une église voisine, à côté de nous. Confessées là-bas, l'Esprit de Dieu les a fouettées là-bas. Elles ont confessé qu'elles sont venues en mission, envoyées par la reine des côtes, pour me renverser par le sexe. Mais j'ai résisté. Après cela donc, elles sont passées par des menaces. Ça ne m'a rien fait. Et finalement, elles m'ont empoisonné. Elles ont reconnu que ce sont elles qui sont venues pour m'empoisonner, pour me tuer physiquement, parce que ma présence, ma vie, est un danger pour elles et pour le monde des ténèbres. Parce que mon ministère mettait en danger les intérêts de Satan dans ma nation et partout où j'arrivais. Elles ont fait cela. Elles ont reconnu. Et Dieu m'en a gardé et Dieu m'a préservé. Donc, bien-aimés, méfiez-vous de ceux qui vous entourent. Ne dites pas que non, c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est un peu comme si les agents de Satan avaient découvert que pour mieux nous atteindre, nous les fils du royaume, il fallait venir faire semblant d'être convertis. Aïe. Je vais te parler d'une expérience. La secrétaire. Ma secrétaire. Je vais te parler de ça, que tu comprennes. Meggy Jane a dit la reine de qui? La reine des côtes. La reine des côtes. Elle a dit la reine des eaux. L'esprit de Gadara qui contrôle les hommes à travers de la mer, à travers la mer, à travers les eaux. Donc, bien aimé, vous voyez, Dieu m'a gardé. C'est pour vous dire quoi, mes amis? La sorcellerie est une réalité. Donc, il ne faut pas dire que non, ça n'existe pas. Non, les sorciers n'existent pas. Ces choses-là, les prières de pouvoir, les prières d'autorité que nous prenons, que nous faisons là, nous perdons le temps. Nous, nous sommes des guerriers. Je sors de loin, mes amis. J'ai expérimenté des choses. Et si on vous raconte, ça peut même vous amener à douter même de Dieu. C'est-à-dire à perdre confiance dans l'église. Fais attention. C'est pas tout. Même Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui m'appartiennent. Non. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc je veux prier avec toi. Au marché où tu travailles, tu ne sais pas qui est ta collègue. Les gens sont prêts à tout pour réussir dans la vie. Les gens sont prêts à tout.
Juste parce que tu es bien vêtu, parce que tu es marié, parce que tu as un peu un bon travail. Quelqu'un ne dort pas pour ça. Les gens sont prêts à te tuer pour cela. Donc ma prière pour vous, pour chacun de vous, qui êtes sincère, pour vous qui servez Dieu de tout votre cœur, pour vous qui aimez le Seigneur Jésus et qui croyez en l'évangile que je prêche, que Dieu expose vos ennemis cachés. Dis amen en commentaire. Que mon Dieu expose tes ennemis cachés. Il y a des gens parmi tes amis là qui s'approchent de toi. Parce qu'ils savent que s'ils viennent mal, tu vas être prudent. Tu vas te méfier. Mais s'ils viennent amicalement, ils auront accès à des choses intimes te concernant. Ils peuvent entrer dans ta maison. Il y a tes amis qui entrent dans ta chambre. Donc il y a des ennemis parmi tes amis qui font semblant de t'aimer pour gagner ta confiance, pour être capable d'entrer dans tes toilettes et récupérer ton sous-vêtement ou bien ta serviette intime pour aller bloquer ta vie avec. Donc pour que l'ennemi te fasse du mal, il se déguise en ami. Donc ce n'est pas tous ceux qui sourient avec toi, qui sont avec toi. Ce n'est pas tous ceux qui t'appellent ma chérie, mon bébé. Non mes amis, apprenez de la vie que tout le monde n'est pas comme vous. Si tu es vrai, tout le monde n'est pas vrai comme toi. Si tu aimes les gens, tout le monde n'aime pas les gens comme toi. Donc je vais prier avec vous. Une seule prière, dans 24 heures, mon Dieu expose les ennemis cachés de ta vie. Ça, c'est la prière de cette journée. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Si dans ta vie, imagine-toi que ton conseiller soit ton ennemi, mais que tu confonds à un ami intime, pourtant c'est ton ennemi intime. Si ton mari, l'homme que tu aimes là, est un agent de Satan, oh, si l'homme à qui tu confies tes affaires est un ennemi, mais mon ami, tu es fini, tu es mort en guerre. Si ton conseiller est un ennemi, si ton ami est ton ennemi, si celui à qui tu donnes tes secrets en réalité n'est pas ton ami comme tu penses, mais justement là, pour écouter de tes secrets pour aller demain te tuer avec, mais tu es dans les problèmes, Dieu doit les exposer. Que Dieu les expose au nom de Jésus. On va prier maintenant. Et quand nous prions, Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Tu as droit au bonheur. Tu n'as pas besoin de mauvaises personnes. Ces personnes doivent sortir de ta vie aujourd'hui. Elles doivent libérer ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tends ta main. Touche ton écran. Touche ton téléphone. Je veux prier avec toi. Dis mon Père, prie avec moi. Dis mon Père, expose les ennemis cachés de ma vie. Le Dieu qui a exposé les trois filles qui voulaient me tuer va t'exposer toi aussi. Tous ceux qui veulent te faire du mal ou qui t'ont même déjà fait du mal, mais que tu ne connais pas, ton Dieu les expose. Que dans 24 heures, Dieu les expose. Que Dieu les expose. Que Dieu les expose au nom souverain de Jésus. Père, je t'en supplie, par les compassions de Christ, sépare-nous des mauvaises personnes. Sépare-nous des mauvaises personnes. Sépare-nous des mauvaises personnes au nom puissant et souverain de Jésus. Je vois une jeune femme qu'on appelle Claudia. Claudia. Vous avez une amie qu'on appelle Claudine. Cette fille est une sorcière. Vous êtes en train de me regarder en direct. C'est une sorcière. Claudia. Claudine est une sorcière. Vous avez un fiancé qu'on appelle Anatole. Et Anatole, depuis près d'un mois, ne prend plus vos appels. Vous écrivez, ne répond pas. Parce qu'il est avec Claudine, votre amie. C'est une sorcière. Si ton ami peut coucher avec ton fiancé, c'est une sorcière, c'est une ennemie. Si ton ami, celle que tu fais confiance, en qui tu as fait confiance, tu l'as présenté, ton mari, mais elle fait taper le doigt et couche avec ton mari, et si ça séduit ton mari, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Que Dieu l'expose. Que Dieu l'expose. Si ton ami que tu prends comme ton frère, tu la mets dans ta maison et il couche avec ta femme, lui et ta femme, c'est des sorciers. Chasse les deux. Les deux sont des sorciers. Ta femme là est sorcière. Si ta femme n'était pas sorcière, elle n'accepterait pas te trahir avec son ami. C'est une sorcière. Chasse les deux. Chasse-les. Ils ne méritent pas ta vie. Au nom de Jésus. Écoutez, hein, si ton mari te trompe, ton mari fait des choses derrière ton dos. Moi, la prière, c'est dangereuse. Déconnecte-toi avant que je ne prie encore cette prière. Je vais encore faire ça pour la deuxième fois.
Même si c'est ton mari qui est en train de faire des choses avec tes amis, derrière ton dos, vraiment, ou ta femme, Dieu va te montrer ça. Et Dieu va livrer la personne entre tes mains. Et comme je prie, mon ami, si tu as peur, tu vas perdre ton mari. Et que tu es sur le point de supporter tout ça, tu vas voir des mauvaises choses. Déconnecte-toi avant que je ne prie. Je compte jusqu'à 3. Tu te déconnectes. Sinon, après, tu porteras les conséquences de ma prière. Ne te plains pas, ne m'accuse pas. 1. 2. 3. Je prie. Oh Dieu, par le manteau que je porte, par ton alliance dans ma vie et dans ce ministère, par la promesse que tu m'as faite en disant, je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Maintenant, je prie dans les foyers, dans les mariages, au nom de Jésus. Père, si le mari de cette femme est un sorcier, qu'il soit exposé. Si la femme de cet homme est sorcière, qu'elle soit exposée au nom souverain de Jésus. Même dans les fiançailles, ceux qui sont fiancés. Si cet homme n'est pas vrai envers toi, que ses œuvres te soient révélées. Si cette femme n'est pas vraie envers toi, que ses œuvres te soient révélées au nom souverain de Jésus. Je te déconnecte de toute personne qui est là pour détruire ta vie, de toute personne qui est là pour ruiner ta destinée. Je te déconnecte de toute mauvaise association, de toute mauvaise union, que ce soit dans le mariage, dans les fiançailles, dans ta carrière, dans ta profession, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je le déclare encore dans les foyers, dans les fiançailles, dans les maisons, dans les familles, dans les lieux de service. Expose les ennemis de ton peuple. Tous ceux qui sont connectés. Seigneur, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Dans 24 heures, que des signes puissants et plausibles leur soient accordés. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a une femme qui est en train de me regarder. Vous êtes marié à un homme de Dieu qu'on appelle le révérend Aïssi. 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 C'est Aïssi. C'est Mépol. Mépol. Question comme ça. Vous êtes marié à Aïssi. Et vous êtes en train de soupçonner votre mari avec une de vos filles à l'église qu'on appelle Rebecca. La sœur Rebecca. En fait, Rebecca, ce n'est même pas son vrai nom. Mais on l'appelle Rebecca. C'est votre mari qui lui a donné ce nom de baptême. Vous êtes en train de soupçonner, Seigneur, Seigneur. Vous êtes en train de soupçonner votre mari avec Rebecca. Vous avez déjà eu des rêves. Vous avez parlé à votre mari. Vous avez dit que non, non, ce n'est pas vrai. Femme, femme, vous êtes sur un mauvais hôtel. Votre mari ne vous a jamais aimé. Il n'a jamais été fidèle depuis avant même qu'il ne vous rencontre. Il n'a jamais été fidèle dans votre relation. Donc, affrontez votre mari avec cette prophétie que je viens de donner. Le révérend Aïssi, dis-lui que le prophète Ekané Ferdinand a confirmé que ce qui se passe entre toi et Rebecca est vrai. S'il veut la délivrance, s'il veut la délivrance, qu'il vous confesse ce qu'il fait et qu'il se repente. Et Dieu me dit de vous dire que si votre mari se repent, les choses vont changer. Il y a un monsieur qu'on appelle Christophe. S'il vous plaît, confirmez en message la prophétie qu'il donne. Christophe. Christophe. Ah. Vous êtes avec une jeune fille qu'on appelle Dana. Dana. Danaï. 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 Et vous êtes en train de soupçonner que cette fille, Danaï, sort avec votre homonyme, qui est votre collègue de travail. Parce que vous travaillez comme dans une délégation. Une délégation. Travaille avec un délégué départemental de quelque chose. Votre ami, Christophe, sort avec Danaï. Le matin, s'il laissait-moi parler, pardon. Oh Dieu, expose les ennemis cachés de ma vie. Christophe et votre femme-ci ont quelque chose en cachette, quelque chose en commun. Ils ont quelque chose en commun. Vos soupçons sont fondés. Faites-leur écouter mon direct. Dites-leur que ce prophète Ekané Ferdinand qui l'a dit. Il a confirmé. Je ne vous connais pas. Dites-leur ça. Montrez-leur cette partie afin qu'ils sachent
qu'il n'y a rien de caché devant l'Éternel, notre Dieu. Mes amis, je prie pour la purification des relations amoureuses. Il y a trop de trahison dans les relations sentimentales dans l'église aujourd'hui. Il y a trop de trahison, trop de souillures, trop de mensonges, trop de cachotteries. Le moment de vivre une vraie vie amoureuse pour toi est arrivé. Et je prie hein, que toute personne dans ta vie qui n'est pas vraie, je prie aussi pour moi-même, toute personne qui n'est pas vraie, qui est fausse, au nom de Jésus, qu'elle soit dénoncée et qu'elle quitte nos vies dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Il y a un monsieur qu'on appelle Apollinaire. Apollinaire, vous avez déjà un papa. C'est un papa de l'Ouest. Apollinaire, papa Apollinaire. Dans vos affaires, vous avez des problèmes, des difficultés. Vous avez votre grand frère qui a une femme qu'on appelle Hélène. Vous êtes dans des problèmes avec votre grand frère. Alors, je suis en train de vous parler. C'est quelque chose qui a un rapport avec des immeubles, comme dans l'hôtellerie, etc. Vous êtes en train de tout perdre. À cause de l'injustice de votre grand frère, Dieu m'a dit de vous dire qu'il va vous restaurer. Il y a un miracle qui va se produire. La femme de votre grand frère avec qui vous ne parlez pas sera l'ange principal de votre délivrance. Elle, je la vois avec des documents qui sont comme des titres fonciers qu'elle prend. Elle vous appelle. Vous avez un numéro de téléphone qui est 699-93-02. Aignez quelque chose. Elle vous appellera, elle vous apportera les papiers à l'insu de son mari, votre grand frère. Elle vous remettra. Vous irez au tribunal, vous allez présenter cela et le tribunal condamnera votre grand frère à la restitution. Donc Dieu me dit de vous dire de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Je veux parler à ma fille, Tekore Esther. Elle est ici. Je vois en commentaire. Hein. Tekore Esther. Je vais vous parler. Dans votre vie sentimentale, le Seigneur me dit de vous dire qu'il y a la restauration. Ne pleurez pas, parce que vous pleurez votre passé. Vous pleurez votre passé. J'ai vu un jeune homme que vous avez beaucoup aimé, qu'on appelait Bernard. Oh, hallelujah. Seigneur, merci. Un jeune homme qu'on appelait Bernard. Glamina Udali Froza. Inlaita Anasmalikum. Et ce Bernard est un garçon que vous avez tellement, tellement aimé. L'amour de votre vie. Mais cependant, quelque chose s'est passé. Vous avez vécu une trahison avec Florence, une amie à vous, Flo. On appelait Flo. Elle vous a fait taper le dos. Elle vous a arraché Bernard. Et Bernard vous a trahi. Vous avez pleuré. Vous avez pleuré. Vous avez pleuré. Dieu me dit de vous dire qu'une saison est en train de se lever pour vous et vous le savez. Une saison est en train de se lever pour vous. Une saison. Et la saison aussi sera une saison de grâce à cause de Aïe. Aïe, aïe, ça c'est votre passé, hein? Aïe, c'est une amie à vous que vous avez connue, amie de jeunesse. Aïe, la justice que vous avez eue envers cette femme, cette fille, Dieu me dit de vous dire, vous le savez dans votre cœur, que la saison est en train de changer. Quelque chose de bien est en train d'arriver pour vous. Hassan Mahamat, je vois en commentaire, Seigneur, localisez-moi. Hassan Mahamat, Hassan, laissez-moi prophétiser sur vous. Hassan, vous voyez, vous êtes en train, vous êtes à la croisée des chemins. Laissez-moi prendre les gens comme ça sur les commentaires. Je prends les noms et je dis ce que Dieu me montre. Hassan, vous demandez à Dieu, vous êtes à la croisée des chemins. Vous demandez à Dieu, ma vie sera comment? Vous voulez vous lancer dans les affaires. La vie professionnelle, vous vous rendez compte qu'elle ne sera pas productive pour vous. Vous savez que si vous êtes un homme d'affaires, dans des affaires internationales, alors, vous atteindrez vos rêves parce que vous avez de grandes ambitions pour l'avenir. Le Seigneur me dit de vous confirmer votre pensée. Dieu vous bénira dans le domaine des affaires. Lorsque vous étiez à l'école, vous aviez un ami qu'on appelait Christian. Et Dieu m'a dit de regarder. Et j'ai regardé dans toute votre vie, Hassan, Mahamat Hassan. Dans toute votre vie, lorsque j'ai regardé, Dieu m'a montré un ami de classe, un camarade de classe à vous qu'on appelait Christian. Et ce jeune homme, vous lui avez fait du bien. Et voici ce qui s'était passé. Voici ce qui s'était passé. Hassan Mahamat Hassan. Ce jeune homme qu'on appelait Christian, qui était un camarade classe à vous, était un garçon qui passait des moments compliqués, financièrement parlant. Et Dieu
vous a mis à cœur. Vous ne le savez pas, vous savez pas que c'était Dieu. De lui donner un pantalon. Et vous avez offert à Christian un pantalon digne. Et c'était le vêtement le plus important de sa vie. Et l'Éternel m'a dit, à cause de cette bienfaisance, il vous suscitera une aide de destinée. Dieu vous suscitera une aide de destinée qui sera une bénédiction pour vous. Et Dieu vous élèvera en sorte que dans votre famille, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça, comme vous. Écoutez bien ce que je dis. Dieu vous élèvera tel qu'on n'en a jamais vu dans votre famille. Vous serez plus élevé. Ok. Leïla Ousseini. Je parle à Leïla Ousseini. Je la vois en commentaire ici. Leïla Ousseini. Seigneur, localise mon père spirituel. Leïla, écoutez. Dieu est sur le point de vous surprendre. Dieu est sur le point de vous surprendre. Je vous ai vu, j'ai vu une histoire de monte. Il y a une histoire de monte, avec une amie à vous, ça fait longtemps. Une histoire de monte. Il y a quelque chose avec la monte, en fait. Avec une amie, je ne sais pas si c'est une dispute autour d'une monte, mais après la monte, vous l'avez perdue. Vous avez soupçonné votre ami. Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut vous faire du bien. Et ça, c'est autour d'un nom comme Hawa. Hawa. C'est surtout des noms qu'on appelle Hawa. Et le Seigneur me dit de prophétiser sur vous. Que tout ce qu'on a fait contre vous, Hawa, la monde, Zaritao, Melto Hidalgo, que cela soit anathème au nom souverain de Jésus. Que ce que Hawa a fait contre vous soit anathème dans le nom précieux et souverain de Jésus. Père, glorifie ton nom. Ah! Prunelle de ses yeux, je refuse de quitter ce direct les mains vides. Ah, votre commentaire attire mon attention. Et je vais prier pour vous maintenant. Père, au nom souverain de Jésus, que prunelle de ses yeux, écoutez, prunelle de ses yeux, vous êtes une bonne personne, vous posez des questions. Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Pourquoi je vais de déception en déception? Ah, ah. Merci Jésus. Prunelle de ses yeux, écoutez. Dieu vient de briser dans votre vie la malédiction de la déception sentimentale aujourd'hui. Dans votre famille, Dieu vous élèvera comme étant la colonne de la restauration. Par vous, Dieu apportera le mariage dans votre famille. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup brisé le cœur. J'ai vu un jeune homme qu'on appelait Armand. Je ne sais pas si c'est Armand Gassa. Je vous vois pleurer. Je vous vois. Alors je parle assis sur une colline. En train de pleurer cet armement. En train de pleurer cette brisure. Cette cassure. Qui n'était pas la moindre parmi la litanie des cassures que vous avez expérimentées. L'Éternel vous console. Restez ferme dans votre foi. Dans votre relation avec Jésus-Christ. Restez et demeurez ferme. Le Seigneur vous bénira. Parce qu'il est votre Dieu. Il y a une visitation qui vient. Il y a une visitation. Je viens non comme Christian, un prénom comme Christian. Emma. Vous serez dans l'embarras du choix dans tous les cas. Vous serez dans l'embarras du choix. Que Dieu vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta grâce dans la vie de ma fille. Au nom de Jésus. Bien-aimé, permettez-moi, donnez-moi la permission demain, par la grâce de Jésus-Christ, de vous parler individuellement. Pas les commentaires. Je veux lire des commentaires. Et je veux parler au nom souverain de Jésus dans la vie de chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous serons à l'hôtel Le Paradis, chez Maman Mirabel Kamga. À partir de 17h, nous serons là-bas pour un grand programme de réveil. On a commencé hier. Et ce soir, je serai encore là-bas. Et le programme va jusqu'à dimanche. Ne manque pas à ce rendez-vous. Nous nous retrouverons là-bas ce soir. Dieu se glorifiera comme il a fait hier. Ça a été extraordinaire hier, je bénis Dieu. Je me suis senti très bien dans son ministère. Que Dieu te bénisse. Et le culte des familles n'aura pas lieu au palais des congrès. Passez l'annonce s'il vous plaît sur vos pages. Nous serons ici à l'église, à la BI, à la base internationale REMA. Dimanche le 31 juillet. Donc ne manque pas. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Le programme de réveil, de brisement des limites et des barrières commence ici à la BI, jeudi.
vendredi, samedi, dimanche, chacun vient avec sa bouteille d'eau. À partir de jeudi soir, nous serons ici à 17h. Pardon, je t'en prie, ne reste pas à la maison pour rien. Ne reste pas avec tes enfants à la maison. Déplace-toi, viens. L'église est en Kouaban. Quand vous êtes au Carrefour Kouaban, demandez, prenez une moto qu'on vous amène à la bille, base internationale Réma. Et on vous amènera. Je vous en prie, ne restez pas à la maison. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous allons faire des choses extraordinaires ici, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Où que tu sois dans Yaoundé, ne manque sous aucun prétexte. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Demain, nous continuerons avec notre direct et Dieu va te surprendre. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Si tu as des préoccupations, demain, je vais répondre à cela. Tu veux une orientation prophétique, on te donnera en commentaire. Dis-moi simplement dans quel domaine tu veux connaître la volonté de Dieu et je te répondrai. Le Saint-Esprit m'aidera. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Connectez-vous, abonnez-vous à la page. Les 1000 premières personnes qui vont s'abonner, je déclare que la double portion de toute bénédiction de ce direct leur soit donnée. Donc, rapidement, chacun se connecte, chacun s'abonne et cliquez sur la cloche de notification pour avoir les notifications pour tous mes directs. Pour le reste, je bénis ta journée et 24 heures d'exposition des ennemis cachés de ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom. Bye.